Pierre Palmade, figure emblématique de l'humour dans l'Hexagone depuis de nombreuses années, a subi de graves blessures lors d'un accident de voiture survenu le vendredi 10 février 2023 en Seine-et-Marne. Cette information a été révélée par le JDD. Bien que le pronostic vital de l'humoriste Pierre Palmade ait été considéré comme engagé selon une source citée par l'AFP, sa famille a rassuré le public en déclarant le lendemain que ses jours ne sont plus en danger. L'incident de voiture s'est produit à 18h45. L'accident de voiture impliquant Pierre Palmade s'est produit lorsque deux véhicules se sont heurtés frontalement sur la route départementale 372 reliant Melun à Damary-les-Lys. Le choc s'est produit près du centre commercial Carrefour à Villiers-en-Bière. Comme il habite dans la région, Pierre Palmade conduisait l'un des véhicules impliqués dans l'incident. Un autre véhicule était conduit par une femme enceinte qui transportait également son enfant de 6 ans. Suite à la première collision, une troisième voiture est intervenue en percutant l'une des deux voitures accidentées. Pierre Palmade a été immédiatement évacué vers l'hôpital Bicêtre situé au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne pour recevoir les soins nécessaires. La femme enceinte impliquée dans l'accident a été transportée vers l'hôpital Beaujon à Clichy-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine pour des soins médicaux. Son enfant a été acheminé vers l'hôpital Necker à Paris pour une observation. Le conducteur du troisième véhicule impliqué dans l'incident a également été évacué vers le groupe hospitalier du Sud-Île-de-France à Melun pour des soins médicaux. Le procureur Jean-Michel Bourlet a révélé que l'incident était dû à un déport de la voiture de Pierre Palmade sur la gauche de la route, qui a entraîné une collision avec le véhicule arrivant en face. Des témoins ont rapporté qu'après l'accident, deux passagers se trouvant dans la voiture de Pierre Palmade ont pris la fuite. Cependant, cette information n'a pas été confirmée par le parquet de Melun.